Voilà ce qui se passe. Là, ça télécharge. Je suis à 2,48 gigaoctets. Pour 7,62, ça fait 4 jours que je suis comme ça. Donc là, ça va commencer à monter un petit peu. Voilà. Ça va pas très vite parce qu'en fait, j'ai ce téléchargement là qui se fait en même temps. D'ailleurs, je vais le mettre en pause. Non, d'ailleurs, pour la vidéo, je vais le laisser. Pour faire voir que c'est le Rockstar Launcher qui merde, mais complet. C'est vraiment une daube. Et donc voilà. Le téléchargement s'est arrêté. Ça me marque encore téléchargement en cours. Là, la barre descend. Je suis bien bloqué à 2,65 et ça monte pas et ça bougera pas jusqu'à ce que la barre devienne rouge. Alors que sur Steam, le téléchargement s'effectue, bien sûr, il va remonter. Et ce launcher de merde, il est bloqué. Voilà, super. Merci Rockstar. On paye 75 boules pour ça, quoi. Bravo. Ça fait 4 jours que je peux pas jouer à Red Dead sur PC parce que je suis bloqué sur ce téléchargement de merde là. Et que sérieux, vous commencez à me casser les couilles entre les bugs de Red Dead Online, les bugs de Red Dead en mode histoire sur PC. Il y en a plein le cul. Franchement, vous me prenez pour des merdes. On est des boîtes à fric, c'est tout ce qu'on est. Donc là, je vais réessayer. Bien sûr, ça ne bouge toujours pas. Il n'y a rien qui se passe. De toute façon, ça ne me donne pas le... la vitesse de téléchargement, ça ne donne pas le temps de téléchargement, donc ça ne bouge pas. D'ailleurs, continue, là, c'est mort. Et ça, avec Steam, au moins, ça télécharge. On est clair, ça télécharge. Donc, votre grosse merde de launcher, il va falloir y faire quelque chose.